Bienvenue messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la piste pour une vidéo scène coupée de la chaîne principale, la vidéo de la chaîne principale où on teste des hackers une journée de malade mental. C'était trop bien. Évidemment, pour que la vidéo soit intéressante, il ne faut pas tout mettre, sinon c'est trop long et c'est pas très intéressant. Alors que pourtant, ben, c'est dommage parce que quand on est en train de monter, on veut tout mettre, on veut mettre plein de choses parce que c'est vraiment trop bien. C'est pourquoi la piste est là. Donc on va vous partager des scènes coupées comme la casse mécanique qu'on a eue en fin de journée, des onboards avec Max et moi, mais aussi les interviews. Donc Thierry Martinez, Mathieu Petit, celui qui gère les hackers, lien de sa page Facebook en description, et Maxime Albert est là, et aujourd'hui c'est au tour de Smax. Enfin, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est au tour de l'interview de Smax. Amusez-vous! Évidemment, c'est bien de partager les choses, c'est bien d'être bien entouré. C'est pour ça qu'il y a Monsieur Max qui est là. Standing ovation, on rajoutera au cas où si jamais il y a besoin. Bon, Monsieur Twin Cup, là, Monsieur qui nous enchaîne les podiums en Twin Cup cette année, même si les deux noms ça a été un petit peu plus compliqué. Ouais. Là, on passe direct du coup sur des voitures complètement différentes, qui se ressemblent plus à des cartes plutôt qu'à un pilotage Twin Cup. C'est carrément ça. Après avoir testé, quelles sont les différences en gros? Bah, déjà, moi, il faut que je me débranche et que je me rebranche dans le bon sens. Parce que la Twin Cup, c'est traction, il faut chercher la motricité. Et là, le but du jeu, c'est pas de se retrouver en tête à queue, c'est en réaccélérant trop tôt, tu vois. Donc, c'est un kart. Le train arrière, c'est du bois. Tu tapes les freins, c'est du bois. Tu freines à 100 mètres les doigts dans le nez. Bon après, en ligne droite, il y a quand même un petit peu de patate, donc on arrive à tenir quelques autos. Clairement. Donc non, c'est vraiment super sympa, un châssis d'enfer. Je pense qu'on a encore un petit peu de travail. Oui, il y a encore à aller chercher. Il y a encore beaucoup de volant, mais sinon... Les gens étaient plutôt pas mal, je trouve. Ouais. On était bien. Franchement, bon, ça c'est pour comparer à la Twin Cup, parce que c'est ici que j'ai pu tester pour la première fois une voiture de course sur un vrai circuit, même sur une première fois une voiture de course tout simplement. Donc c'était ici à Folembray, c'était le 24 janvier cette année, en début d'année 2021. Donc là c'est quelque chose de complètement différent, la météo est complètement différente. En janvier en skyé, il neigeait pendant la journée même, conditions dégueulasses, là conditions parfaites. Et franchement, pour comparer avec ce que moi je connais, donc ce qui est de la simulation avec la manette sur la Xbox, sur les jeux, forcément, je suis plus habitué à des propulsions. Avec le car, je suis plus habitué à des propulsions. Donc, c'est quelque chose où je me reconnais de suite beaucoup plus facilement que par rapport à la Twin Cup, qui est un pilotage différent. C'est une traction, une voiture qui n'est pas faite pour la course à la base, qui est transformée pour faire la course, qui est adaptée pour faire la course. Et là, c'est vraiment des prototypes donc faits pour la course, faits pour le circuit, pour le pilotage sur circuit. Et donc, c'est différent. Et franchement, moi, je kiffe. Oh, ouais, mais c'est kiffant. C'est kiffant. C'est kiffant, sa mère. Voilà, on y retourne.